Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'une arme énormissime qui est déjà très très jolie. Moi, je l'adore. Elle a le logo de l'avant-garde, vous voyez, en plein milieu sur sa crosse. C'est un impulsion qui était déjà disponible à la bêta et je vous conseille vraiment de l'utiliser. C'est le Belladon. Il suffit de 3 gouttes et vous allez voir que ces 3 balles, elles font vraiment du dégât. Vous avez armature légère comme perc intrinsèque, vous allez avoir un maniement amélioré et vous allez viser plus, vous déplacer plus vite en visant. Au niveau des lunettes, je vous conseille la première et la deuxième qui sont plutôt cool, la dernière va avoir un trop gros grossissement selon moi. J'ai préféré ne pas utiliser munitions perforantes et utiliser de chargeur tactique pour avoir plus de stabilité et de balles dans mon chargeur. Et vous avez chargeur mortel qui va vous permettre de faire plus de dégâts après un frag et un rechargement, ce qui est plutôt pratique. Beaucoup de monde me parlait en bien du ver des bois, mais regardez, on a plus de portée, plus de stabilité, plus de maniement, plus de rechargement que le ver des bois. Effectivement, on n'est pas dans la même catégorie impact cadence, mais on est très très bon. Et pareil par rapport au fusil à impulsion hacké, on va avoir plus de portée, plus de maniement, plus de stabilité et de maniement, pardon, un peu moins de portée, mais vous allez voir que ça fait vraiment le taf. Alors cette impulsion, au niveau de la sensation d'utilisation, c'est son gros gros point fort. Franchement, on est très très à l'aise avec, il est ultra ultra agréable à utiliser, c'est très smooth comme on dirait en anglais. On va se déplacer très très bien, viser très très bien, aussi bien verticalement qu'horizontalement. On va être avoir des déplacements améliorés pour tout ce qui va être visé et déplacement. Ce Belladon est au top et son maniement d'ailleurs ne trahit pas, hein, on est quasiment au max et on a une très bonne stabilité avec, donc on arrive bien à grouper ses tirs. Le schéma de recul des balles est plutôt aussi prévisible, donc on arrive bien à grouper ses balles, là-dessus il n'y a aucun souci, et pour moi c'est vraiment le point fort de ce Belladon. Il est extrêmement, extrêmement agréable à utiliser, extrêmement facile à utiliser, et je vous le conseille réellement. Au niveau des dégâts, on va être sur du 20 dans la tête et 14 dans le corps environ, selon la distance à laquelle vous allez être, ce qui va faire que vous allez pouvoir tuer en 4 rafales. Si vous mettez tout dans la tête, vous faites 60 par rafale. En 4 rafales, vous êtes largement, parce que vous êtes à 240. Donc vous êtes vraiment large. Et même en mettant quelques balles dans le corps ou à côté, si vous visez un minimum la tête, en 4 rafales, ça passe. Et avec sa grosse cadence, qui n'est pas aussi forte que le ver des bois, mais pas loin, franchement, on a un temps pour tuer assez faible, que moi, je trouve vraiment très agréable. Sachant que vous allez pouvoir augmenter ces dégâts-là, hein, avec un kill puis un rechargement, donc vous allez pouvoir monter de quelques dégâts, hein, de 2, 3, 4 dégâts, mais si vous mettez tout dans la tête, ça va pouvoir tout changer, parce que vous allez pouvoir tuer en 3 rafales, vous allez être autour des 23-24 par balle, et vous allez pouvoir tuer en 3 rafales, ce qui est juste énorme, hein, c'est un des temps pour tuer les plus faibles de Destiny 2 quand c'est le cas, donc je vous conseille vraiment, vraiment ce Belladon, il est énormissime. Alors effectivement, son point faible, si on compare aux meilleures armes de la méta en ce moment, je pense notamment à la Mida qui est surutilisée, ça va être un petit peu la distance. À longue distance, il fera pas le poids face à la Mida, déjà d'une parce qu'il a un petit peu de recul, hein, même s'il a une très bonne stabilité, donc pour grouper ses balles de très loin, ça va être compliqué, et il va avoir une petite perte de dégâts, sauf que dès que vous allez vous rapprocher, vous allez détruire les Mida. Dès que vous allez arriver à mi-distance, vous allez détruire les Mida, et c'est vraiment très très agréable finalement de tomber contre une équipe de 4 Mida et de leur rouler dessus avec le Belladon. Donc je vous conseille vraiment, vous allez vous éclater avec cette impulsion. Donc c'est une arme mi-distance, avec quoi la combiner? Moi j'adore l'utiliser avec le dernier espoir, qui est vraiment très très fort au corps à corps, du coup j'ai mon impulsion à mi-distance et mon dernier espoir pour le corps à corps. J'ai un petit manque en termes de duel à très longue distance, donc j'essaye d'utiliser l'environnement pour me rapprocher des ennemis, mais vous pouvez très très bien le combiner avec un éclaireur pour la longue distance et utiliser ce Belladon pour la mi-distance et éviter les duels à courte distance. C'est à vous de voir dans quoi vous vous sentez le plus à l'aise, mais il va très très bien se combiner avec pas mal d'autres armes. Au final, si j'avais une note à lui mettre, alors pour moi, ce Belladon est vraiment au-dessus du lot. Il est vraiment au-dessus du lot et ça va être une des 2, 3, 4 meilleures armes de Destiny 2 en ce moment selon moi. Donc si j'avais une note à lui mettre, je vais lui mettre un 9 sur 10 et franchement, je pense qu'il le mérite. Je vous laisse avec un petit peu de gameplay live en jugement où j'utilise ce Belladon. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et on se retrouve très très bientôt sur la chaîne. Bye bye. Ah ouais, mais... Vas-y, pré-shot droite, là. C'est quoi le défi de cette semaine? Ah bah c'est les mêmes, en fait. Ah ouais, d'accord, ils sont comme ça.
Y'a un 2-week à droite sur moi là. Devant toi. Sur moi, devant moi. Donc j'ai lui. Merci. La mort. T'as pas besoin de. Quoi parce qu'il y a une truc derrière toi. J'ai problème l'autre qui est avec toi. Cimer. Non. Eh, derrière le mur. Regarde où je suis. Ah ouais, ils sont trois. Il reste ah. Ah ouais. Fais gaffe gros. Dépêche de respawn, j'arrive. A droite, à droite, à droite. Différent. Ouh, il est weak hein. Regarde lui. Bah qu'on est pas avec toi. Il meurt lui. Okay, je vais compter pour t'en sortir. T'en sortir. Il meurt. Il y en a... Reviens. Vas-y on passe par la gauche. Ouh, il y en a un qui est weak. On tourne. Ah ouais, c'est 3, c'est 3. Ouais, c'est 3. On se les fait, tranquille. Ah le viol. Il y en a qui courent, ok, ils respawnent à l'opposé. Derrière le caillou, tu l'as vu. Tu mets une droite. C'est vrai qu'il y a vers la SMG, c'est chaud. Hein. Sur cette map. Ouais, sur cette map surtout. Il ne reste que. Sors lui, nice. Derrière moi. Lui aussi, on le sort. Allez, bien joué. Il va falloir que je reloute le mid. Que je refasse la quête. Je refasse la quête surtout. Et gros, je suis perdu là. J'ai pas la mid, je suis perdu. Derrière nous. Ils sont tous dans le bac. 50 ans, il y en a un mid, je pense. Ouais, il y en a un dans ce spawn. Ah putain. Il est tout seul lui. Tu en push non? Ouais on se le fait. You. Salut Sharky. Sur deux. Ouais, il y en a mort. T'as joué. Dans mon dos, j'ai un millimètre. Putain, ils sont sur moi. Millimètre. Je suis pas bien. Un mort. Deuxième, ah, il y a les roquettes. Il est weak. Je suis avec les roquettes. Fais gaffe devant toi là. Un mort. Bien joué, il y en a encore un autre. Tu. Ah, il a plus de vie, putain. Dommage. J'ai fait de la merde. Il est où? C'est moi qui fais de la merde. Putain. Et on va. Ouais. Bah oui. Mort. Oh non, il nous a rushé. Oh, il y en a un pixel. Oh là là. Ou tu restes avec nous, hein? T'es mort. Je vais. Ah, il se casse. Il est ultra weak, il a 1000 mètres, c'est 1000 mètres, tu peux. Ils ne sont pas à la hauteur contre votre puissance. Donc... Ah, il m'a tué à cause de la grue, putain. L'ennemi n'a plus de vie. Nice. Genre, j'ai pas l'assist. Il tient plus de dégâts, hein. Viens ici, toi. Elle est type, il court, les gars, vous savez que c'est fini. Bazar en cours. Une minute. Ah, ils sont au fond. Finissez-en. Ah non. Il ne reste qu'un seul ennemi. Ah, j'ai tenté de me rattraper là. On va respawn sur moi là, non? Ah, oui, j'étais fini, moi, je commençais à tirer sur le bouclier du titan et tout. Mais non. Ouais, c'est terminé. J'ai touché. Déjà, pourquoi c'est moi qui tue? Elle était 3 à côté de lui, c'est moi qui tue. C'était n'importe quoi le couteau. Va bien niquer ça. Bip. C'est lui vers 6. C'est vous qui menez. Je vais claquer mon pistolet au pré-shot 6 en tout cela. Ils ont peut-être pour le pistolet rond d'or. De rien. Non, ils sont pas tous là, il y en a que 2, ils se cachent. C'est pas la peine. Il y en a un XT, non. Deux XT. Deuxième. Jouer. Ah, oh, j'ai pas eu le temps de la quête. Oh, j'ai eu le temps de la quête.
Non, c'est pas, tiens, pas. Nice. Il joue là, ils ont spawn sur moi. Il reste 5. Oh la grosse tranchité. Comment ils ont fui? Ah ouais, comment ils se cachent? Putain. Oh non. Oh, ce que je t'ai mis. Les gars, fais-y tout seul. Bah, tu. Non, non. Ils sont tous là, gros. Non. Oh, les couilles. Oh, ils sont trois. L'autre, il est week-end. Wouah. Non, mais c'était l'autre. Ah, mais gros, il y avait les quatre autour de moi. Il avait dit que j'étais sorti. Le gros, il... J'étais en train de tourner partout. Imagine, gros, là, on est sur le D1. J'ai des mines de pompe et le rôle à l'illimité, quoi. C'est terminé. Les cannes, je crois que je les brain. C'est quoi cette grosse merde? Il ne reste que l'adversaire. Non, c'est pas moi qui l'a sorti. Lui. Je commence à avoir la dalle. Elle sort le taco. Confirmé. Oh. Pas comme ça. Le spam. Attends, on court. Tiens. Ok, j'ai rien compris pour. Ok, j'ai fait mon épée. Eh mais pourquoi les mecs quand on ouais, les pistes eh mais les pistes quand tu parles de tout ça qui est du jeu, c'est un délire. What? C'est quoi ce merde? C'est merde l'argent. Pas de durier. Là, c'est un peu toi. Le vide. Il y en a deux autres. L'autre il est très low. Ouais. Ah ouais, ok. Vas-y, prends le jeu. Bon, personne ne voulait plus courir, c'est normal. Ça. 3. À part sur un sniper. 3. Sniper, y'en a qui prend une body quoi. Moi je mets des body moi. Prochain. Allez, bien joué, team shot. Je suis déçu, gros, il a pris une balle de snipe. Le dernier est sur moi. Je mets des bouillies partout. Ouais, ah, bah, n'importe quoi. N'importe quoi. Par contre, il y a une musique dans le fond, si vous pouviez l'enlever, je suis en live, s'il vous plaît. De votre côté, vous êtes à court de réserve. Middle. On a plus de super. Attends, on a un super, ils en ont deux. Ok, les gars, plus qu'une vie. On en a plus. Je suis mort. Il y a plus d'un m'aider. Toutes les vies ont été utilisées. Vivez bien. Il tue plus qu'un. Deux. Oh, bien joué. Ils sont où le dernier? Le dernier il est sur les lourdes. Sur les lourdes. Il va, y en a qui réapparaît je crois. Ouais, les deux sur les lourdes. Allez, le mec il a un pixel, ça m'énerve. Eh les gros, franchement, mais j'ai pas de choses, je le vois tirer trop vite par rapport à toi. Hein. C'est un délire. J'ai pas de choses. Putain. Non, les maps sont pas aléatoires, Sensei. Ce sera celle-là tout le week-end. Allez, un mort. Nice. Nice. Let's go. L'autre il est soleil. Oh non, à gauche, à gauche, à gauche, chez eux. Hein. Nice, bien joué sans. Je fais courir. Ouais. Ouais. Il va dans notre spawn, le soleil. Il y en a un middle. Deux sur moi.
Non mais gros, il est ultra oui. Mais non, mais c'est très fréquent, c'était. Il a le temps. Bien joué Tyson, il était weak, là je l'ai un peu mais. Ah moi gros, il y en a un qui était ultra weak mais ça nous va. Fait... Reviens. Moi il a le défi spécial donc. Et à chaque fois il y en a deux qui sont weak et c'est l'autre qui me finit, c'est un délire. Il reste les deux. Et Sweetie, t'attends qu'il lève, moi t'es plus tolérant. T'attends quoi? J'ai pas de solution pour le claquer gros. Mais on s'en bat les couilles gros, c'est la dernière manche. Pourquoi tu me casses les couilles? Depuis tout à l'heure on est à 3 gros. Mais de quoi même? Claque ton pisto, c'est tout gros. Et le mec il a claqué sa pêche, il l'a gâché. Et du coup c'est moi qui l'ai gâché, voilà. Ouais. C'est pas jouer en pisto ici. La manette, problème. Non, non. Une minute. Saute pas comme ça. Mais... Ouais, je te mets gros, je lui ai mis une... Oh là là. Merci. Il ne reste qu'un ennemi. J'avais une body cam. La sentence. Oh là là. La sentence est irrévocable. Hey. Par contre, juste pour savoir, vous venez d'où les gars? Tyson, tu viens d'où toi? Toulouse. DX, tu viens d'où? Metz. Et Wheezy, tu viens d'où? Tour. Ok. Non, parce que vous parlez tous comme si vous veniez d'Aubervilliers, moi c'est le cas.